Dana. Excuse-moi, Soren, as-tu une montre? Soren. Oui, c'est une nouvelle montre. Elle est électronique. C'est un cadeau de Noël de la part de ma mère. Dana. C'est une montre très belle. Quelle heure est-il? Soren. Je ne sais pas. Ma montre indique qu'il est 8h30, mais elle ne fonctionne pas très bien. Elle s'arrête. Je crois que l'ancienne pile doit être changée et remplacée par une nouvelle pile. Dana. J'ai demandé l'heure parce que j'ai un cours à midi pile. Ma montre fonctionne assez bien d'habitude. Elle n'avance pas ni s'arrête, mais maintenant elle ne fonctionne plus. Je ne veux pas y arriver ni trop tôt ni trop tard. Je veux arriver juste à temps. Soren. Alors, demande-leur à ce monsieur qui se trouve à l'arrêt de bus. Maintenant, je te quitte parce que je dois aller au théâtre avec une amie. Dana. Ciao, amuse-toi bien. Je suis Marius et je suis Bélier, une personne très organisée et courageuse. Je sais me débrouiller dans toutes les situations difficiles. Je suis Taureau et je cherche toujours la stabilité. Je déteste les changements et je sais gérer mon argent. Je suis né Gémeaux, caractérisé par détermination. Je suis jalouse et impatiente. Je suis Cancer, sensible, émotive et souvent mélancolique. J'ai tendance à protéger tout ce qui m'appartient et j'aime par la force. Voici le roi des animaux. Devant vous, le lion. Je suis très dévouée dans l'amitié. J'ai une forte volonté et beaucoup de confiance en moi-même. Je suis vierge, très altruiste et liée à la famille. Je suis fidèle tant en amour qu'en amitié. Je représente l'équilibre, je suis balance. Je suis rationnelle et je contrôle mes sentiments. Je suis scorpion, caractérisé d'une grande sensualité et détermination. Je suis capable de grands sacrifices pour l'amitié. Voici le Sagittaire du groupe, un homme joyeux, plein de confiance et très actif. Mon signe du zodiaque est celui du Capricorne. Je suis diplomate, matérialiste, je cherche toujours le bien-être et je suis orgueilleux. Moi, je suis Verseau. Je crois dans la justice sociale et en général, je suis stable. Finalement, le signe des poissons. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? J'aime le voyage et les changements. Je suis sensible, fantaisiste et parfois instable. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marian.
Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marion. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non, pas encore. La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marion. Comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marion. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent? Je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est, j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marion. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marion. Oui. Juste un peu ici. Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. Marion. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marion. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €. Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marion. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Bonjour madame, monsieur, soyez les bienvenus. Pourrais-je vous aider? Bonjour mademoiselle. Avez-vous des chambres libres? Oui. Quel type en voudriez-vous? Je voudrais une chambre double pour moi et ma femme. Pour combien de nuits? Pour 3 nuits. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Tout va bien. J'ai enregistré vos données personnelles. Quelles sont les facilités dont nous disposons? La chambre a une télévision, une connexion Internet et une climatisation. Notre hôtel dispose aussi de 2 piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure, d'un sauna et d'une salle de gym. Le tarif pour une nuit est de 40 €. Le petit déjeuner et le dîner y compris. Notre restaurant est ouvert jusqu'à 22 h. La chambre a-t-elle un réfrigérateur? Pour le réfrigérateur, vous devez payer un supplément de 3 € par jour. Très bien. Pourrions-nous voir la chambre? Votre chambre se trouve au 1er étage. Elle a une belle vue sur la mer. Et elle est très spacieuse.
Elle est vraiment très claire et spacieuse. Et quelle vue! Merci beaucoup, mademoiselle. Qu'en penses-tu, Georges? Elle est parfaite, merci. Je vous en prie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler au numéro 345. On est à votre disposition.